Hey les amis, c'est Jonathan, on se retrouve toujours sur Ocean Horn, hein, c'est normal, c'est écrit dans le titre de la vidéo, hein. Je vais pas vous le répéter toutes les 5 minutes. Donc là, on est en route bas sur l'île d'Ermite. Il nous avait demandé de passer le voir. Il est juste là, là, on l'a vu, on a pu l'apercevoir. Donc on va voir ce qu'il a à nous dire. J'arrive mon petit ermite. Oh, mais c'est qu'il prend des risques, le gars. Dis donc. Bouge de là. Alors, ermite. Ah bah non. Ah! Laisse-moi lui parler, là. En trouvant deux emblèmes sacrés, tu as fait preuve de tant de bravoure qu'un chevalier d'Arcadie. Au cours de tes voyages, tu as dû remarquer une île flottant dans le ciel. Le dernier artefact, l'emblème du soleil, se trouve sur cette île. L'emblème du soleil est le symbole des Arcadiens, et cette île céleste était autrefois le cœur de la capitale d'Arcadie. Moi, je ne sais pas parler. Mais quand le cataclysme survint, Trilote, la force obscure de la création, souleva une énorme masse de terre dans les airs, emportant les bâtiments et ses habitants avec elle. Nous devons trouver comment t'envoyer sur l'île céleste. Grâce au paquet que tu as entre les jambes, que tu as retrouvé dans la tombe du grand historien, nous avons un moyen d'atteindre l'île céleste. Je vais avoir besoin de ton aide. Tout d'abord, va me chercher un tabouret. Ah! Et je vais le chercher où le tabouret? J'ai Ikea ou... C'est comment? Un tabouret. Bah tiens, ah oh bah c'est pile poil. Hop! Pourrais bouger ton cul un peu quand même. Hein. Allez, je t'emmerde, mon petit. Ramène mon tabouret et ferme ta gueule. Ah merde. Ah! Quoi, il vient? Voilà. Maintenant, apporte-moi un lit de voyage. Ne pose pas question! Ramène-moi un, enculé de ta mère. Oh! Doucement, papy, là. Un lit de voyage. Ça, je vais le trouver où, ça? Un lit. Bah, le mien, dans ma tente, non? Ça compte pas? Je peux le soulever? Je pense pas que je peux le prendre, hein. Là-dedans, ça. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il y en a un qui est dans ma tente. Oui, c'est sûrement ça. Je te vois au loin. Avec ce gros tube. Allez, mène ton cul, petit. Ah, ou Ah, c'est pas ça, j'ai la haine, hein. En plus, je l'ai à moitié dans la gueule, le truc, regardez. Il me traverse la tête. C'est bien. Allez, oui, tu es presque. Voilà, maintenant, apporte-moi une torche. Pour te la foutre dans le... Hein, tu vois. Elle est là, ta torche. Enfin, ça, c'est une lampe, mais bon. Putain, papy, oh. Une torche. Ah, bah, je peux pas la... Je peux pas la faire tomber là avec mon sort de feu là. Non, pas le. Pas ça là, voilà ça. Une torche. Non. Alors là, la torche, par contre, pour la trouver, mon gars. Je te dis de te manier. Attends, je vais tester avec ça si je peux la prendre. Putain, c'est pas une torche. C'est une bougie. Aïe aïe aïe. Oh, ils m'ont raté, mon gars. Eh non, c'est pas ça que tu veux, enfoiré. Évite de me lancer les trucs dans la gueule la prochaine fois, petit con. Ah là là. Oh, il y a un coffre là-bas. Ah non, il est ouvert. Eh. Purée, le mec, il arrive à me mettre des quêtes sur son île pourrie, là. Je pensais que je serais tranquille, là, maintenant. Je suppose que
Je vais pas trouver ça dans sa baraque, non? Ouais, bah non. Où c'est que je vais la trouver, ta torche, moi? Pas vu depuis un moment, des torches. Ah, dans le puits? Ah bah merde, si c'est dans le puits, ça va pas le faire. Ah non, papy. Avec mon sort, normalement, je peux faire tomber des torches. Hein. C'est de la triche. Et en plus, le puits, je suis obligé de... Le puits, je suis obligé de remonter par une échelle. Je peux pas monter avec une torche. Donc, c'est forcément là-bas. Putain, je fais des allers-retours en plus. Oh là là, comment je déteste ça. Autant quand c'est utile. Ok, mais quand tu sais pas où tu vas... Tu pouvais manier. Une torche. Voilà. Oh là là, quel génie. Eh, franchement, heureusement que j'ai réfléchi. Hein. Fou. J'allais me taper le puits et tout pour rien du tout. Mais en gros, le mec, il va nous faire quoi avec tout ça, là? Un lit, une torche et... Ah, j'ai oublié. Ah, quelle mémoire. Un lit, une torche, et qu'est-ce qu'il va demander au début, là? Putain, je me rappelle même plus. En plus, je l'ai sur le bout de la langue, hein, mais j'arrive pas à le ressortir. Ok. Et un tabouret, voilà, il était juste là, ça m'a rafraîchi la mémoire. Oh! Ah, carrément! Ça va, papy? Il nous manque une... Ah non! Il nous manque une dernière chose! Arrête de râler! L'objet que je construis a absolument besoin d'une girouette. Tu penses pouvoir m'en trouver une? Tu sais, c'est une petite pièce métallique qui indique le sens du vent. Ah ben c'est bon, merci hein. Je suis pas bête. Mais je suis pas sûr qu'on puisse trouver ça là hein. Une girouette. N'aurais-je pas vu une girouette sur une autre île? Rappelez-vous. Même fallait la taper là. Ah, je suis sûr que c'est là. Hein. Il y en a pas ici, c'est sûr. Je n'en ai pas vu. À moins qu'il y en ait une là-haut, ouais, mais bon. J'y crois moyen, regardez. Hein. On voit pas hein, là-haut. Hein. Ah, je bouge un petit peu la cam là, mais. Ah non. Non, non, je suis sûr qu'il y en a pas. Il va falloir aller sur l'île. Je vais quand même aller lui demander. Je sais pas s'il va me donner des petites précisions, mais je pense qu'il va me dire d'aller sur une autre île. Hein. Grande chance. Il nous manque une dernière sol, tu peux, je dois blabla. Ouais, bah c'est bon, merci. Purée, me dis pas que je vais devoir aller sur l'autre île là. En plus, je sais même plus c'est laquelle, mon gars. Ah non. I have no idea, hein. Bah, je me casse, papy, hein. Je vais te trouver une... Moi, il me semble que c'était... Alors, c'est sûrement pas sur Ticarel. Ah, peut-être que si, en fait, hein. C'est là où j'ai libéré l'espèce d'oiseau, là, le Horu, là. Pas la grande forêt par hasard. Non. Si, non. Terre desséchée aussi, non. Peut-être les terres desséchées. Hein. Bon, écoutez, on va y aller. En même temps, là, je vous cache pas, je vais prendre mon téléphone. Et je vais regarder. Parce que c'est vrai que dans ce jeu... pardon, excusez-moi. Je vais me faire niquer ma race quand même. En train de checker sur mon téléphone parce qu'il donne même pas d'indication. Alors Ocean Girouette, alors ah bah déjà
What? Il fait nuit maintenant? J'étais pas... Je suis jamais venu en fait ici. So, what? Trito. What? Hear me this one last time. Let my boy find a safe path and guide him towards the answers. Huh? Destiny never gave him the chance to escape this burden. I'm losing my strength. I'm far away, lost with this monster, and I don't know how much longer I can retain it. But until my last breath, I will wait for the moment to be reunited with my boy again. No matter what lies ahead. We will be fighting along your side. Saul, Nato, Trito. Hein? Ah, ok, bon bah alors il m'a dégagé d'ici quoi. Mais j'ai l'impression que la carte est bizarre là, il fait nuit. Chelou. Mais en attendant... Ouais, c'est quoi ce... Bon, c'est très étrange. Mais quoi qu'il en soit, j'en ai profité pour regarder où se trouvait la girouette. Donc c'est pas mal. Salut. Et apparemment elle a Ticarel. Eh ouais. Alors là, ça me trouve le cul. Donc là, il y a l'île où on doit aller là-haut. Yeah, wow. Donc on va à Ticarel. Voilà. Mais bon, malheureusement, en allant aux terres desséchées, là, ça m'a activé cette espèce de... Ah! Ah! Bah voilà, j'aime quand il fait jour. Eh, franchement, ça me faisait pas flipper, parce qu'on n'est pas non plus... Hein. C'est pas un jeu où, voilà, on va se faire caca dessus, mais... Ça changeait carrément l'ambiance du jeu, quoi. Ça sent la fin, hein. Moi je vous le dis. Hein. Donc si j'ai bien lu, il y a une petite girouette à récupérer quelque part ici. Alors c'est sûrement pas toi, mais bon. Sûrement pas ça, mais bon, il y avait écrit à Ticarel en tout cas. Donc il n'y a plus qu'à chercher, hein. On va pas non plus se faire assister. Toi t'as rien à me vendre, toi. Eh, mais franchement, les pièces, waouh. Wow, ah la guilde des aventuriers, ils vont pas me la donner eux. Enfin, c'est pas la... Si, c'est ça. Toi là. La girouette sur le... Ah bah voilà. Pouah, mon gars. La girouette sur le toit de la maison de Mito grince jour et nuit. Je te jure que je vais l'arracher et la balancer dans l'océan. Et bah voilà. Bah voilà. Comme quoi, la guilde, hein, elle sert à quelque chose. Mais du coup, c'est cette maison là ou... De Nito, il a dit. De Nito ou d'un autre? J'ai pas fait gaffe. Ah, ah c'est elle. Là, là. C'est pas ça, là. Si je la tape plein de fois, elle va tomber. Ah bah non. Je la ramasse et tout, comme ça. Je la vole. Eh bah vas-y. Je me casse. Mais donc, ça, franchement, je vous... Sans internet, là, sans avoir fouillé sur un site de solution, c'est impossible à trouver. Ou alors, faut avoir retenu qu'il y avait une girouette sur le toit. Moi, j'avais même pas vu déjà qu'il y en avait. Pour moi, c'était dans l'espèce d'île, là, je sais plus laquelle, où on avait tapé sur deux girouettes pour déverrouiller une porte. Mais bon, elles étaient quand même assez grosses, les girouettes. C'était sur des gros pylônes et tout, donc je pense pas que ça serait rentré dans le bateau. Mais bon, ouais, là, c'est sûr que sans Solus, c'était tendu, hein. Et puis, bon, mon but, c'est pas non plus de vous faire une vidéo où je cherche pendant des heures, hein. Là, le but, c'est de continuer le jeu, de continuer l'histoire. Donc, voilà. Yeah. Donc ouais, si j'ai bien compris, Ermite, là, ce qu'il veut nous faire, c'est... Enfin, il va se barrer avec nous, je crois. Il est en train de nous faire un radeau, ou je sais pas quoi, là. Une maison radeau.
Parce que ça m'étonnerait qu'ils construisent une cabane comme ça pour le fun, quoi. Là, il l'a fait pile poil en face de l'eau. Donc, pour moi, il est en train de faire un radeau. On va voir, hein. Dans quelques instants. Peut-être que je me trompe. Voilà! Parfait! Ah merde, excusez-moi, je reprends ma voix. Parfait! Tu as trouvé. Enfin, tu as réussi à trouver tout ce dont nous avions besoin ici. Maintenant, tire ton bateau jusqu'ici. Oui, tu as bien entendu. Ah ouais, je vous avais dit. Regardez. Oui, je vais partir à l'aventure, petit con. Ah non! Qu'est-ce qu'il nous fait là? Oh! Ah mais... Oh! Mais c'est mieux que ce que j'avais prévu là! Je vole! Ouais! Moi je vole mon gars! C'est un génie hein! Salut les bouffons! Wow! Ah bah là c'est sûr que je vais pouvoir atteindre l'île du vent si je ne dis pas de bêtises. Youpi! Petite cinématique un peu longue, hein, on va pas se mentir. Hein. Oula, oula! What? Oula, je vais me cracher! Et comment je fais pour... Oh là, mon bateau! Oh non! Quand j'étais jeune, j'ai rencontré une fille qui vient de faire un tombé du ciel. Ouais, vas-y. Princess of the sky. She said she had lost her memory, but whenever she looked at that island, s'en fout en fait. Hein. S'en fout le narrateur là, ou je sais pas qui là. Le mec qui raconte son histoire. C'est bon? On est obligé de voir la suite ou c'est comment vraiment de là. Ok, donc nous sommes bien atterris, oui, tout à fait. Nous avons bien atterri. C'est plus français. Et bah, on va stopper la vidéo ici. Hein, parce que quand même, il nous aura pris un petit peu de temps le ermite avec ses trucs à la cou. Donc, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour explorer un peu cette île. Et une chose m'intrigue, c'est quand on est retourné sur les terres desséchées, ça, c'est la petite cinématique du jeu un peu sombre. Après, là, ça m'a beaucoup intrigué. C'est pas prévu d'y aller, apparemment, mais... Je sais pas. Allez, à tout de suite !